Les bananes en pyjama descendent pas à pas. Les bananes en pyjama descendent de deux à deux. Les bananes en pyjama pour chasse en s'amusant. Les ours sont malicieux qui voudraient les prendre à leur jeu. Les bananes en pyjama avaient décidé de décorer leur salle de séjour avec un nouveau papier peint. Les oursons étaient venus les aider. Loulou mesurait les murs pour voir combien de papier serait nécessaire et Anne mélangeait la colle. Dehors, Martin étendait la colle sur le papier peint. Oh, oh! Il me faut plus de colle, s'il vous plaît! Oh, Martin! Comme tu es étourdi! Pourquoi? Tu mets la colle sur le mauvais côté. Ça doit être de ce côté. Comment pourra-t-on voir les fleurs si ce côté-ci est collé au mur? Je n'y avais pas pensé, Loulou. Alors, Martin jeta le morceau de papier peint à la poubelle. À la poubelle. Je suis prêt à commencer, Béa. Eh bien, moi aussi, Béa. Moi aussi. Oh, ce n'est pas drôle. Mon pied est coincé dans le seau. Est-ce que tu penses à la même chose que moi, Béa? Je pense que oui, Béa. C'est l'heure des Béanes. Je tiens et toi, tu tires sur le seau, B2. D'accord, Béa. Alors, les bananes essayèrent de tirer le seau de colle pour libérer le pied de Anne. Tourne-la, Béa. C'était difficile de tirer. Alors, ils le faisaient chacun leur tour. Allez. Eh bien, je vais chercher une vadrouille. Et moi, je vais jeter ça à la poubelle. Oh là là, la vadrouille est collée au plancher. Dehors, ils durent jeter encore un autre morceau de papier peint à la poubelle. C'est une catastrophe. Il ne nous reste qu'un seul morceau de papier peint. Ce n'est pas suffisant pour couvrir tout le mur, Martin. Ne vous en faites pas, j'ai une idée. Oh, la vadrouille est collée au plancher, B2. J'arrive, B1, je viens t'aider. Je crois qu'il va nous falloir de l'aide, B2. Alors, Anne va à la rescousse. Je vais vous aider. Au compte de 3. 1, 2, 3 et... Oh, regardez-moi ce gâchis. Ne t'en fais pas, B1, je vais t'aider à le nettoyer. Oh, merci, B2. Ce n'est rien, B1. Pendant que les bananes, Martin et Anne nettoyaient, Loulou s'affairait à découper les fleurs dans ce qui restait de papier peint. C'est dommage qu'on ne puisse plus décorer. Mais on peut décorer. Regardez. C'est tout plein de fleurs. Mais il n'y a pas assez de fleurs pour décorer toute la pièce. Non. Mais on pourrait les coller sur les tables et les chaises. Oh, quelle bonne idée. Est-ce que tu penses à la même chose que moi, B1? Je pense que oui, B2. C'est l'heure du collage. Allez, donnez-moi ça. Merci. Toi aussi, Martin. Alors, ils collèrent des fleurs partout où ils en avaient envie. C'est joli. Surtout sur le mur. Je vais coller la mienne. B1, c'est tout beau.